n'est pas tout à fait comble. Il n'est pas comble. Hein. Non, je confirme. On ne pouvait pas acheter des places aujourd'hui, en fait. C'était ceux qui avaient eu le match contre la Bulgarie, qui avaient eu les tickets contre la Bulgarie, qui auraient pu revenir. Mais on est en vacances. Certains, probablement, n'ont pas profité de cette double opportunité. Le coup d'envoi est donné. Je ne vous ai pas dit que Neuer, 20 ans de Neuer, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième, encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Notre pilleur remet bien joué de la part des... Dries Mertens se sent pour Lukaku. Très bon appel de Lukaku. C'était très bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre. Il est bon. Il est bon. Et de nouveau Courtois sur cette reprise. C'est de Neuer qui a touché la balle. Pressé dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là, et la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Les attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric Kanani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite claquette des deux Portugais en rectangle. Ronaldo qui frappe. Pour lui que. Et attention à la reprise au-dessus du match. Et laisser l'avantage, pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. Et attention, perte de balle qui pourrait profiter au Belge. Lukaku. Qui se retourne, frappe du droit, ballon contré. Dangereux avec ces espaces-là. Ronaldo très intelligemment. Aïssa, ça pourrait faire très mal. Mais on a Thibaut. Il est. Ah, le Belge renvoie trop facilement le ballon au Chadli. Avec une bonne frappe là. Eh bien, c'est le premier tir cadré, ça, Vincent. Exact. Hein, Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là, notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus. Bien, l'arbitre les joué les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était bonne, la reprise de Witzel. Elle était bonne. Très très bonne. Qui est le seul joueur des. Bien, sprint, le ballon arrive. Aïe aïe aïe. Oh, André Gomes qui avait fait tout le sprint jusqu'à. Dans le mur, ça revient chez Gillet. Il a tout ratissé en première mi-temps, Danilo, le numéro 13. Il y en restera donc là, Portugal 2, Belgique. Et alors, ici, c'est la nouvelle coqueluche, c'est Renat. Et le duel gagné de la tête par Dani Gillet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique. Ça dégage comme Quaresma, comme... qui aurait pu jouer Nani et Ronaldo et leur vitesse. Attention, c'est bien, c'est pas mal. C'était une bonne action collective, là. C'est le plus petit de nos joueurs. Witzel vient se mettre dans le mur. Petit ballon entre les Italiens. Oh. Elle est belle. Il n'a pas assez suivi assez vite, Chadli. C'est dommage. Et l'autre joueur qui monte, c'est Quaresma. Et avec Lukaku, premier centre. Il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Doublé, Lukaku. Oh, incroyable. C'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis soir. Mertens descend. Et je serais curieux de voir l'animation maintenant, Vincent. Nainggolan. Relais avec Batshuayi. Il peut frapper. La frappe ratée. Il y a une très belle frappe. Mais c'est pas lui qui tire. Et joli. Très joli tir de Fernando Santos. Sans peut-être que les 20 dernières minutes. Quaresma, il va frapper. Oui, et ça, à mon avis, il n'a pas regardé les vidéos. Alors, Fellaini cède sa place à Dembélé, qui a joué 9 minutes. Alors, Nainggolan, il va frapper, pourquoi pas. Il ose tout, ce gars. Eh oui. Face à Bernardo Silva, avec le dédoublement de Cédric, c'est bien fait. Le ballon en retrait, Quaresma qui peut marquer. Non, extérieur du pied. Il est capable de tout. Il a essayé peut-être le plus dur. Je crois qu'il a joué. Il s'était retrouvé arrière-droit. C'était avec les Ken. C'est pas un bon souvenir. Il y a 40 ans que Danilo. C'était passable. Toujours par un but d'écart d'ailleurs. Ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable au terme d'une défaite est le gardien, ça veut pense tout dire. Que dans l'analyse foot, on a tout dit. Et cet homme est quand même génial. Hein.